On nous rabâche continuellement que le sommeil est essentiel dans l'entraînement et le bien-être au quotidien. Alors quelles sont les conséquences d'un manque de sommeil ou d'un sommeil de mauvaise qualité? On voit ça en moins d'une minute, bienvenue dans Prépa Performance. Les conséquences d'un sommeil de mauvaise qualité peuvent être néfastes à la performance et au bien-être. On constate en effet une altération de la performance, et notamment de la performance en endurance. Également, on peut s'apercevoir qu'avec un moins bon sommeil, la coordination psychomotrice ou encore le temps de réaction s'en voit diminuer. De plus, d'un point de vue physiologique, on voit une diminution des stocks de glycogène ainsi que des réponses endocriniennes altérées. La répercussion se traduit souvent par une balance protéique négative. Il est donc essentiel d'avoir un sommeil de qualité lors d'objectifs de prise de masse musculaire. Également, les réponses perceptives vont être impactées avec une diminution des seuils de douleur, une augmentation de la fatigue perçue, ainsi qu'une baisse de motivation et d'attention. S'en répercute une perturbation du profil émotionnel à travers des comportements d'irritabilité, etc. Enfin, de façon plus globale, on peut parler d'altération des capacités proprioceptives et cognitives, ainsi qu'une baisse de la mémoire, de diminution des apprentissages techniques et tactiques, et évidemment d'une baisse des défenses immunitaires. La privation de sommeil va impacter de façon multifactorielle les capacités de notre organisme. Si vous souhaitez améliorer votre qualité de sommeil, je vous renvoie évidemment à notre vidéo sur le sujet où vous pourrez trouver beaucoup de conseils. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette courte vidéo sur le sommeil pourra vous être utile. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut !